Hey, salut, j'espère que tu vas bien et que t'es prêt à regarder quelque chose qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On va jouer à Monster Domain. Le jeu est actuellement en bêta où il faut demander l'accès sur Steam. Ça faisait quelques jours que je l'ai vu passer, je me suis dit « Oh, bon, que ce soit quoi ?» Et j'ai accès. Donc, let's go. Let's go. Ce moment où t'es en train de bosser, tu reçois un mail. Oui, vous avez accès. Ah, ah, oui. Oui, j'ai accès. Jeu solo. Je sais pas trop de quoi que ça s'agisse. Et ça avait l'air d'avoir un gameplay très multi, c'est dommage. Mais c'est pas grave, franchement, je suis très content de le tester. Donc voyons voir. Mode de jeu normal, on s'en fout clairement de la difficulté vu qu'on ne sait pas à quoi trop s'attendre. Voilà. C'est l'heure du chargement, ce moment de... Alors, tu vas bien ? Voilà. On le dit jamais assez. Mais hésite pas à mettre un pouce bleu, tu sais, wesh! Depuis le début des temps. Certains ont réussi à être perdus. Un truc est parti tellement vite, j'ai pas eu le temps de lire. Oh, oh, oh. Échappe. Bienvenue à Monster Domain. Ce tutoriel vous fera découvrir la mécanique principale du jeu, étape par étape. Comprendre tous les systèmes est essentiel pour jouer à Monster Domain. Et notez qu'il s'agit pas du jeu final. Yes! Ok. Ok, donc déjà, hop, changement clavier anglais, voilà. Alors, mode fantôme. En mode fantôme, vos capacités sont limitées. Lorsque vous mourrez, vous passez au mode automatiquement, en mode esprit, naviguer... Alors, en mode esprit ou en mode fantôme? C'est deux modes différents, attention, parce que moi, un esprit et un fantôme, c'est exactement pareil. Et là, je vous entends vous retourner dans votre tombe tel un zombie. Et rajoutons donc les zombies dans ce sac matrimonial de monstres. J'ai pas envie de finir cette phrase. Naviguer dans les zones en volant, posséder des créatures en mode esprit, vous êtes pratiquement immortel. Cependant, juste au-dessus, lorsque vous mourrez. Voilà, vous êtes immortel, mais vous pouvez mourir. Alors, trouver et appuyer sur E pour augmenter la créature morte. Quoi ? Ça veut rien dire. Hop ! Qu'est-ce que c'est ? Posséder et prendre le contrôle d'un squelette. Ok. Ok. Yes ! Ça y est, on est un squelette. Oh ! 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 Alors... Ok, clic gauche, clic droit, main droite, appuyez sur I, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah yes, je peux m'équiper. Ah, parce que bien évidemment, en tant qu'esprit, qui traverse les murs, qui est invincible, j'avais une épée et un bouclier. Très bien. Hop. Wouah! Ok, la garde, sprint, sauter, dash, E pour interagir. Ok. Parfaitos, de la bida. Je baisse un peu la sensi, ça devrait être mieux. Est-ce qu'il y a du... Non. Oh! Oh, c'est pas toujours les mêmes coups. Oh, trop bien. En vrai, c'est marrant, il y a des jeux qui me hype alors qu'ils donnent rien de... On se dit pas, waouh, c'est incroyable. Et pourtant, ça me fait... Et alors qu'à l'inverse, cette phrase n'a vraiment aucun sens. Et à l'inverse, il y a des jeux qui me hype pas du tout alors qu'ils sont vraiment trop bien. Ah, le bâtard. Ah, mais j'ai de l'endu, connard. Connard de mort. Tiens, t'as une barre de vie en plus. J'ai de l'endu, t'as une barre de vie. Ok, attends, on laisse l'endu remonter. La barre en bas au milieu, qui est visiblement pas de l'endu. Je comprends pas. Ah, en fait, elle grandit... Elle... Merde, je comprends pas trop. Je comprends pas trop, mais on va quand même interagir avec lui, là. Attends, interagir... Mais... Sacrifice. Ouais, petite saccade, là. Dommage. Lorsque vous êtes en mode fantôme, vous pouvez trouver des squelettes de minions à posséder en utilisant l'esprit. Oui, c'est bon, ça tu l'as déjà dit, bâtard. Zéro, qu'est-ce que ça fait? Q, pardon. Appuyez sur Q... Il ne se passe rien. Commandement des mignons. Il ne se passe strictement rien. C'est pas grave, on lui a atomisé la gueule. Et ça, c'est le principal. Bonjour, monsieur le squelette. J'espère que vous allez bien. Ça pue la merde ici, hein. Ça pue la merde. Il y a des runes partout. Je te ranime. Je te ranime et t'es avec moi. Oh yes. Comment les mignons? Les mignons de votre domaine. Vous êtes contrôlés manuellement. Nanana. Ok. Eux. Appuyez sur E. Ok, ok. Échanger, suivez. Rester, déplacer les emplacements. Possession, tuer. Suivez. T'es mignon. Il y a du... Non. Ok. Parfait. Alors, je ne connais pas du tout le modèle économique de ce jeu quand il sortira. Mais, pas... Le jeu n'est
pas moche visuellement. Donc je verrais bien un truc gratos, un free to play. Et en même temps, un free to play me paraît tellement compliqué maintenant que j'y pense. Dans un jeu solo en fait. Alors, si je prends ça, ouais, ok, ça je prends. Et ça je prends. Ah ouais, ok, d'accord. Bah écoute, on va jouer plutôt comme ça, hein, la bardiche là. Hop. Gestion des armes. Ah, il y a plusieurs emplacements, alors attends. Hop. Mais connard, tu me dis qu'il y a plusieurs emplacements. Emplace-les. Tu me casses les couilles. Ah oui, non, c'est juste tu tabes, tu reviens à main nue, on dirait. Trouver, enlever et élever plus de squelettes. Tu trouves des... Je vais te faire des squelettes. Tu es Bobby. Pom pom. Alors, les mecs. Leçon numéro 1 de game design. Vous mettez des bestioles. Faites en sorte qu'on puisse les buter. S'il vous plaît. On adore. Oh oui. On adore buter les bestioles, putain. Alors c'est cool de mettre de la vie. Franchement, super. Et encore une fois, je suis pas en train de vous cracher sur votre jeu. Il est en dev. Et je le trouve plutôt cool. Du peu là que je teste, en vrai, je le trouve beau et tout. Donc moi, ça me va. Mais c'est nous tuer Bambi. Après... Je comprends, c'est casse-couille, parce que ça veut dire qu'il faut mettre un dev là-dessus, okay. Et qu'on a clairement autre chose à foutre que de développer des trucs sur ça, quoi. Hein. On est bien d'accord. Est-ce que par défaut, vous me suivez? J'en ai bien l'impression. Ok, cool. Minimap, carte mondiale. Utilisez la minimap et la carte mondiale pour trouver les points d'intérêt dans le monde. Cela vous aidera à naviguer à travers les objectifs. Nick! Ça a l'air d'être un monde... J'ai envie de dire assez grand, je me rends pas compte. Avec des choses à faire, qu'on va pouvoir un peu choisir ce qu'on veut faire. Et surtout... attends, juste 3 de plus 3 de dégâts. Celui-là plus 3 de dégâts, c'est la même chose. Ah, je viens de comprendre, attendez. Viens là toi. Hop, commande, section, échanger. Toi, tu vas prendre ça. Voilà. Toi, échanger, tu vas prendre ça. Et ça m'a l'air pas mal. Et toi tu vas prendre le dernier truc là, le petit la lance mortelle. Hop, la lance mortelle du diable, c'est toi. Parfait. Comment ça se joue ça? Clic droit, on peut zoomer, ok. Oh. Hop. Ça aide pas. Ça aide pas du tout. On retente. Hop. Yes, ça aide. Ça aide. Oh. Oh le bâtard. Oh le bâtard, il prend des flèches. Vas-y. Vous pouvez lui cramer la gueule là? Je suis en train de le taper. Est-ce que par défaut? Yes. Ah, par contre, les squelettes se font ouvrir le fion. Oh la vache! J'ai perdu mon squelette. Est-ce que je peux reprendre son loot? Yes. Très bien. C'était ça hein, qu'on voulait. On s'en fout de. Interact. P. Ah oui, trop puissant. P, pardon. Sacrifice. Est-ce que je vais avoir un squelette après? Que je vais pouvoir animer? Ce qui est marrant, les jeux comme ça, généralement, on n'est pas du tout en première vue, en vue à la première personne. Qu'est-ce qui se passe? Vous level up? Non. On est plutôt en TPS et avec une gestion nettement moins fine, si je puis dire, de sa team. Donc, merde. Donc, je trouve ça assez intéressant. Yes. Oh, j'avais pas vu en bas, regardez-moi les boules de vie et de mana. Il y a même pas de reflet dans Diablo 1, il y a un reflet. Alors c'est pas grave encore une fois, mais c'est tellement du détail où tu te dis oh les mecs, faites ça sérieux. Prêt. J'ai plus de mana. Alors coup de main. Ok. Est-ce que tous mes squelettes sont morts? Non, il m'en reste un, c'est déjà bien. Ok. Quoi? Prêt! Ok. Ah, oh, c'est transformé en squelette. Rise, more skeletons. Ok. Ok. Donc j'ai des squelettes niveau 2 maintenant. Bon. Nettoyer les trois camps. Je n'avais pas vu mon objectif. On va prendre une vraie arme. On va
prendre un truc pour lamer des culs. Lamer des culs. Échanger. Toi, tu vas devenir magicien. Je te sens bien, Mago. C'est un livre que tu lui donnes et le mec, ça lui fait pop une staff. Pourquoi pas. Échanger. Toi, tu vas être l'archer. On a un archer, un magicien, et le dernier, c'est quoi? Et un autre archer. Bah, parfait. C'est moi qui vais me faire fourrer. Toi, t'as pris un main? Ok. Et il y a une garde. Ok. La garde, elle prend pas d'endu. Est-ce qu'on peut sneaky un peu, là? Attends, il est de face ou il est de dos? J'arrive pas bien à voir. Oh, il a une grosse double... Une épée à deux mains. Oh! Oh. Tuer cette fois-ci, on a choisi. Ouais. Prendre tout, prendre. Je peux pas équipe instant. Vas-y, équipe-moi ça là. Voilà. Là, on est sur quelque chose qui me parle. Et à la garde, parfait. Vider le camp principal. Y a pas un skull à créer? Est-ce qu'avec son cadavre, je peux. Bah bien sûr. Ah, je devais pouvoir le faire sur le premier campement. On va aller checker. Ah ouais, le petit coffre. Le petit coffre caché dans la forêt. C'est toujours important d'avoir des coffres cachés dans les forêts. Ah. Est-ce que tab... Non. Tab, je range. Ah oui. Ok, donc j'ai récupéré une masse et un truc. Une épée super lurl. Ok. On va aller vite fait chercher ça. Pour avoir une vraie armée. Ok. Ok. C'est là. Je crois bien que c'est là. J'ai plus d'endu du cul. Je suis perdu, turlu, tutu, chapeau pointu dans la forêt. Ça me fait l'arrêt de me faire. Je n'ai pas trouvé. Je regarde, est-ce que mon téléphone me donne une rime? Non, il s'en bat les couilles. Ok, donc là, j'ai cud. Allez, on y va. On avance. Je pense que j'ai fait un mauvais bail sur un ennemi et j'ai perdu du monde. C'est pas extrêmement grave. Maniez-vous le cul, par contre. Maniez-vous le cul. Moi, j'ai pas beaucoup d'endu, mais alors vous êtes les rois des putains d'incompétents. Sortez-vous les doigts du cul. Hop. Quoi? Sam cannot be equipped. Why? Why you can't, bitch? Est-ce que je peux te filer un casque? Moi, j'ai un casque. C'est pas un casque, c'est une armure. J'avais pas vu. Pourquoi tu veux pas? Ça tu veux? Ça tu veux bien. Ça ouais, là il y a du monde hein. Bon bah écoute. Peut-être. Ah, attends, il est level 1? Non? Je comprends pas. Ah, ça lui fait cette gueule. T'as l'air tellement con. T'as l'air con Edmond hein. Moi aussi, mais moi on me voit pas. Let's go. Chevalier mort à la grosse épée. Je me baladais dans la forêt. Préparez-vous. Et oui, c'est moi le loup. Je vais vous tordre le cou. Et violer votre épée. Pardon? Ah, j'ai trop envie de... J'ai trop envie d'en faire un truc. Tu vas être ma poupée, toi. Toi, t'es ma poupée. Hop. Hop. Allez, équipe-toi, bâtard. Tu veux pas? Alors, ce sera pour moi? Yes. Non, parce que ça s'affiche pas sur ces trucs-là et ça devrait... Sort de foudre. Ok, fais voir ta tronche de fion. Ah, incroyable. Incroyable, mais vrai. Juste checker le sort de foudre. Ah, mais voilà! C'est ça qu'on veut voir. Et si je swap? Est-ce que ça swap? Yes. Alors, je suis navré, les mecs. Mais ça sert à rien de faire deux sorts qui sont strictement les mêmes. Mais c'est pas grave. On va quand même s'en servir ici. Grâce à un incroyable sniping. POUM! Ouh, je peux charger! Je peux charger les pouvoirs de la foudre! Et tirer sur mon mate! Allez, vas-y. C'est quoi? L'archer, c'est mort. Prêt. Max minion, ok. Être sûr, hein? Ouais, on dirait bien. Rétablir le pouvoir. Mission ajoutée.
Je sais pas trop à quoi ça sert, ça. Je pense que ça va filer de la ressource. Mais... peut-être les soigner. Ouais, trouver et capturer le temple. Il est où, le temple? Là-bas. Franchement, mon épée, elle fait le taf. On va la garder. Elle découpe. Épée spécialisée depuis des années dans la découpe de sushi de la forêt, hein, à base de bambou, de poisson en tout genre, et avec un petit peu d'avocat qui permet d'éviter les problèmes. Et oui. Si toi aussi tu veux éviter les problèmes, toujours avoir un avocat avec soi. J'ai bien envie d'aller voir le campement là-haut, il doit y avoir des gens à tuer. On va aller jusqu'au temple. Ce serait bien d'aller jusqu'au temple. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Personne? Personne? Ah, beaucoup de walls invisibles autour des box. C'est pas... C'est dommage. Je pense qu'il faut que je... Ah, je peux pas faire tout... Bon. Je vais passer par là. Retourner un tout petit peu en arrière pour aller dans le temple. Ah, non. C'est vraiment, le jeu a dit, nous allons être pacifiques. C'est un jeu pour les véganes. Je vois pas d'autre explication et je ne vois pas réellement d'autres raisons de ne pas pouvoir tuer des animaux que si on n'est pas vegan. Genre... Oh, le mec, il se met toute la commu des véganes au dos. Après avoir passé le véganuary, là, tous les gens qui ont souffert sans manger leur viande en janvier en se disant « c'est bien ce que j'ai fait !» Faites-le toute l'année, putain. Non, j'ai trop souffert. Je rigole, c'est le squelette en moi avec l'épée à double main qui parle. Interact. Ok. Sol corrompu. Peut-être la création de base ou un truc là? Non? Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute? Je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a un truc, il y a des buildings dans ce jeu. Il y a des buildings dans ce jeu, ok? What a mess. Récupérer les objets de fabrication des coffres. Vous pouvez fabriquer des objets puissants à l'aide de la forge. Par exemple, des objets, vous avez besoin de ressources que vous pourrez obtenir en explorant le monde et en pillant des coffres. Piller les coffres pour obtenir des objets à fabriquer. Utilisez la forge pour fabriquer des objets puissants qui sont achetés à votre inventaire. Ok, alors. Un coffre. Well, this is a nice find. Poussez-vous, tas de cons! Ça doit être la forge, j'imagine. Fabrication, yes. On peut faire ça? Pas du tout. On peut faire ça? Ouais. On va faire des gants. On va faire ça. Ting. Ah, mais j'avais déjà un slip. Je veux pas un slip de plus, hein. Oh bonjour. Ouais, on a des mecs en plus. Vas-y, tiens, prends, t'as qu'à prendre ça, toi. Tu peux? Tu veux pas? Non. Tu veux prendre ça? Yes. Toi, tu veux le slip. Toi, tu veux un bon slibard. Non, toi, tu t'es dit... La hache. Si je fais ça, est-ce que je swap les... Yes. On tente le slip. Alors, personne n'en veut, hein, celui-là. Il doit sentir la merde. Ok. Rétablir le pouvoir, rassembler suffisamment de ressources. Bois 300, argent 6. Chercher moulin, pioche du coffre. Attends, chercher hache de moulin, pioche du coffre, arbre de pain dans le château. Des arbres. Mine d'or, argent. Pardon, c'est genre le mec qui lit comme un mongolos. Alors attendez, est-ce que je peux me stuff de... Ok. Comme ça? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Yes! Oh putain. Ok. Bois plus 100. Très bien. Donc ça c'est pris. Ah, je vois en haut à gauche de l'XP. Je suis level 3 visiblement. J'avions pas fait attention à ça. Donc on va prendre le bois, on va prendre les minerais, et je pense qu'après on va s'arrêter. Histoire de vous publier ça le jour de la sortie de cet Early Access, la fin de cette démo. Enfin bref, comme ça vous le verrez day one sur ce
stress test. Il y en avait déjà eu d'autres que j'avais complètement loupé. Et c'est bien dommage. Moi, j'aime bien ce genre de jeu. Encore une fois, vraiment un jeu qui se prêtait au multi, je trouve. En fait, il y a trop de jeux qui se prêtent au multi. Il y a trop de jeux qui s'y prêtent, mais qui malheureusement n'en font pas comme celui-là. C'est un poil dommage. Il me faut quoi? De l'argent. Faut que je trouve des minerais. À quoi ressemblent les minerais? Ce serait ça? Ça a pas du tout la gueule d'un minerai, hein. On en conviendra tous. Mais je préfère essayer. Ça a l'air de pas du tout être ça. Il me dit dans le château, alors on cherche. Ah. Non. Non, 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 non. Ce serait pas ça quand même. Non. Non, je ne pense pas. Des arbres. Mine d'or, argent, dans le château. Ouais, en fait, dans le château, c'est un peu n'importe où dans la zone. Combien de dégâts de chute on peut avoir? Ah, j'ai fait tellement bien. Je suis tombé sur le picot. Mais rentré dans le trou du... Dans le trou du cul. Alors, on va laisser l'endure monter un peu. Je suis complètement à sec. Ça aurait été bien d'avoir un bruit qui nous dit que vous êtes en train de faire les bonnes choses. On récolte suffisamment de ressources pour construire 3 maisons de pierre. Ouais, alors il va falloir que je trouve un autre truc comme ça. Là. Et après, on peut tenter la construction, je pense. Ah, il me faut 6 d'argent, pardon. C'est vrai, c'est là que c'est écrit. Donc là, je suis à 4. Donc un autre filon. Et ce sera réglant. Réglant! Oui! Réglant les choses dans le château. Vous aussi, vous aimez réglancer? Ah oui, réglance-moi ça. Vita. Mongolien. C'est peut-être pour ça que je suis qu'un squelette de mort, hein. Ah yes là. Eh bon. J'avions pas vu que ça brillait comme un petit cul, ça brille dans le noir. Alors, vous avez la possibilité de construire des bâtiments. Ces bâtiments ont leurs propres pouvoirs uniques qui sont accordés à l'esprit. Sur des bâtiments, vous devez d'abord rassembler des ressources. Bâtiment ouvert, menu, en appuyant CTRL LEFT. Hop, maison. Maison en pierre, hein, c'est ça. Stockage, maison. Alors, vas-y. Ouais. Ok. Bon, écoute, c'est sympa, hein, j'ai envie de dire. Ça pète pas des briques. L'effet là, hein, quand on construit, est assez sympathique, on va dire. Relever plus de morts au cimetière. Ok, on va y aller. Total d'armée 7 sur 17. Ok, il y a du monde à relever, hein, visiblement. Ah merde, construire une maison en pierre, 2 sur 3. Vous êtes sûr que j'en ai pas fait 3? Moi, j'ai quand même l'impression d'en avoir fait 3. Ah, bâtiment ajouté. Construit avec succès. Très bien. Tu vois quand tu veux, connard. Et ici, ça va être le vivier. Rise more skeletons. En fait, ce qui m'intrigue, c'est qu'après, il doit y avoir des combats épiques d'armée, quoi. Et ça, ça me branche grave. Je dirais bien comme dans Empire Humber. Mais j'ai déjà record la vidéo, mais je l'ai pas encore publiée. Je voulais le faire ce soir, mais ça va être prioritaire, quoi. D'ailleurs, comme je suis pas là du week-end, il faut que je prépare mes publications, putain. Fais chier, là. Ah, il est mort, ok. Renforcez votre armée en accédant à l'armurerie. Bon, je pense que là, on est vraiment en plein milieu du tuto, un peu peut-être lourd et chiant, entre guillemets chiant, parce que ça, il y aura pas d'action. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ouais. N'hésitez pas également à aller sur Steam, demander l'accès pour y jouer. Ça a l'air franchement pas déconnant. Et surtout, c'est gratos pour le moment. Donc, autant en profiter avant de connaître le mode économique du jeu qui sera sans doute payant à la fin. Ça reste un jeu solo. Les jeux solo sont quand même régulièrement payants. Voilà. Hein. Donc, faites-vous plaisir. Moi, je vais y rejouer un peu, de toute manière, tranquillement. Là, je pense qu'une fois que j'ai fini le record, je finis le tuto et je vais aller tabasser des gens, faire mon armée de squelettes, je vais leur défoncer la gueule.
Et en attendant que tout le monde défonce tout le monde, bah, passez une bonne journée, une bonne soirée, j'en sais rien, à quel moment vous regardez la vidéo. Mais faites-vous plaisir, et faites la tournée, s'il vous plaît, hein. Un petit peu comme la petite sœur dans le Nord, hein. Oh, dégueulasse. Ouais, mais c'est celle qui tourne.